Merci parce que vous choisissez Télé Pacifique pour informer ou mettre tout point d'appui pour nous développer pour vous dans le journal Star. Présidente commission conditions femmes dans la République là, Dieudonné Luma Etienne, dans tête une délégation 4 parlementaires visité hier mercredi à Victimio dans le marché Hippolyte. Sénateur pour mettre pour bail machinio assistance. PDG compagnie Digicel là Martin Boot, te doit répondre jodi à question chef paquet Port-au-Prince là, maître Oknam Klamida Meus sous diffé 12 février. Audition ça qui était prévoit pour 20 février passé a été renvoyé à cause monsieur Boot pat nan pays a d'après responsable Digicel. Organisation pour défendre droit moun OHDH avec tes victimes du fait 12 à 18 février non marché en fait porter plainte devant la justice contre l'état haïtien pour capable forcer gouvernement dédommager yo comme ça doit. Premier ministre Jacques Lafontaine reconnaît pompiers yo gen gros problème pour remplir mission yo leg di fait qui éclaté dans capitale là chef gouvernement promet pour renforcer service là. Ambassade des pays Japon en Haïti, Yoshiaki Hata, signé mercredi avec représentant 4 organisations locales dans le département centre et nord, 4 contrats pour bayodon dans le domaine agriculture et éducation. Pour yon valait 416 821 $ américains. Rete suivre Naptonan. En général, moun pa rime pran asirans. Yo konsidere ke son l'ajan rejete. E poutan, l'ajan asirans te dwe nan budget ou akote l'ajan kayak l'ajan manje. Li la pou li de ou travè son mouvè pa. Gade tout akote ou. Ou awè kouman gro problem kon antre sou moun sans atann. Mande Diye pardon, sa karive ou tou. Ini assurance di ou, prekosyon pa kapon. Le malè rive, le fozan mi flè a sezon, a fè kom si yo pa jam konen ou. Ini assurance ap rita fè ou pou l'di ou, kontinue viv la vi ou, kite se kous la nan men ou. Ini assurance. Vive en toute assurance. Nou retounen pou développement journal la, merci parce que vous été branché. Yon délégation, 4 sénateurs qui te gen en tête li, président de commission conditions femmes là, Dieudonné Luma Etienne, visité hier mercredi à victime di fait 12 janvier au nan marché Hippolyte pour capable montrer solidarité yo ak machan yo. Parlementaire yo pou mèt pou bay machan yo yon assistance bay ti komesan yo. Dieudonné Luma Etienne nan micro Mario Sylvain à David Messieuse. Nous vin là jodi an pour nous ka vin gade niveau dégâts avec yeux nous. Nous connaissons pile femmes qui victimes, grand pile garçons qui victimes. Commission affaires sociales là qui dirigée par sénateur Wanik, commission conditions femmes qui dirigée par sénateur Dieudonné, commission culture tourisme qui dirigée par sénateur Delva. Eh ben nous venons là, nous venons garder. Nous prenons le chita ensemble avec le comité pour nous garder comment nous sommes capables d'aider les machins à sortir dans le gros dégâts que nous avons. Donc nous demandons aux machins pour coopérer avec nous parce que nous ne pouvons pas parler avec tout le monde à la fois, mais nous prêts pour nous porter toute contribution. Nous avons trois sénateurs, nous avons tous sénateurs dans le pays, et bien, nous venons pour nous venir solidariser nous avec nous-mêmes. Qui n'ont difficulté. Président commission Kilti acteur Sénat République là Gracia Delva à collègue li non département Nord-Est Rouani Pierre qui était dans délégation dit yo souhaiter ces vrais victimes qui va joindre assistance cap bayo non circonstances là en côté on micro Mario Sylvain avec David Mercieuse. Eh ben tu même dans ville là. Dans ville là exactement. Ça nous ville faire là bam sou. Nous même dans ville là. C'est parce que chaque fois que vous avez passé dans le pays d'Haïti, les gens qui sont victimes, ce n'est pas eux-mêmes vraiment qui jouent ça au gain pour eux. Ça nous vient vers là, nous venons assurer que ces victimes que nous rencontrons, et nous venons faire le contrôle. C'est l'exécutif qui prend engagement pour que les supporter les gens, et nous venons assurer que ces victimes vraiment qui jouent le support qui a besoin. Ça a préoccupé le Sénat. Combien ça a préoccupé comme président de la Commission d'affaires sociales? Comment ça a préoccupé comme humain? Les garder quantité de dégâts normalement qui fait moi-même moi dit que faut que même venir pour capable chita avec monde qui victime pour au moins nous garder à court à moyen et à long terme
qui ça normalement qui a porté comme contribution. C'est vrai que nous pas capable garantie pour nous dire que eh bien monde qui victime pour rejoindre tout ça que tu perdu, mais exécutif là il a fait promesse comme pour aller accompagner nous, mais nous mêmes comme sénateurs nous tient à ce que eh bien vrai victime c'est eux qui bénéficier ça va venir. Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine reconnaît pompier gain difficulté pour remplir mission yo les gain difficulté qui éclaté dans la capitale là. D'après chef gouvernement, pompiers ont six tout problème de l'eau pour faire intervention. Docteur Lafontaine a participé dans la séance convocation Conseil supérieur police nationale là, mercredi dans le Parlement, côté le promet gouvernement a fait effort pour capable renforcer service incendiant dans Port-au-Prince. En suite déclaration. Mesure pour me dire nous, là encore, il y a des réflexions qui fait non seulement une réflexion, mais nous allons implémenter. Et en mesure pour me dire nous, pompiers, ça que nous, camions pompiers, ça nous va le gagner. Ce n'est pas gros camions pompiers, même gens avec camions pompiers qui gagnent dans des grandes villes contre les États-Unis, contre les pays de l'Europe. Mais nous avons des camions pompiers qui sont plus adaptés à type d'immeuble que nous gagnons en Haïti. Bien sûr, étant donné que nous commençons à gagner des immeubles qui ont plusieurs étages là-dedans, pour ville contre Port-au-Prince, nous avons un certain nombre de camions pour immeubles qui ont plusieurs étages, contre, je ne vais pas citer non, aucun immeuble, contre des hôtels, contre nouveaux bâtiments que nous avons dans l'État. N'est-ce pas vrai? Nous avons plusieurs qui montaient déjà contre le ministère du Commerce, ministère de l'Intérieur. Donc ça, on a besoin de camions avec échelle qui montaient jusqu'en haut pour s'il y a un incendie dans l'immeuble. Mais dans l'autre immeuble, nous avons des camions qui sont mieux adaptés à la réalité haïtienne. Et ce sont des camions que nous avons besoin des pièces pour nous en Haïti. N'est-ce pas vrai? Donc très prochainement, modèle camion SAO, il y a disponible à la population. Donc c'est pour vous dire que nous travaillons sous dossier camion pompier. Organisation pour défendre droit moun OHDH invité victime du fait 12 à 18 février au non marché en fer pour te plaindre devant la justice contre l'État haïtien pour capable forcer gouvernement dédommager yo comme sa droit. D'après secrétaire général Strictissa, Maître Joannet Mercius, il n'est pas possible pour dédifier éclater dans Port-au-Prince non espace yon semaine. D'après militant droit moun lan, instance qui concerne nos affaires sécurité yo non pays a gè responsabilité pa yo non zaksa. Maître Mercius mandé pour gen bonjour enquête qui menait pour capable faire lumière sous question d'Ifesayo et puis arrêter et juger monde qui la cause Zaksayo. Joannet Mercius a participé dans l'émission L'interview sur Télépacifique. Si nous prenons le cas de marché Boulia, premier indice c'est que l'État pas protégé marché parce que marché a entré dans l'ordre de sécurité publique. Donc l'État pas garanti la sécurité publique. L'État gagne responsabilité pour protéger monde. Protéger moun nan, tout pas quitter la vente dans n'importe condition, son sorte de protection. Protéger moun nan, c'est pas quitter tonne de fatra monter à côté et puis à bouler l'encore, ça son sorte de protection. Donc l'État gagne pour respecter normes internationales qu'il signe par rapport à droit international là. Donc conditions de sanitaire, il faut que sanitaire, il faut que respecter moun kap vendre dans marché, qu'on a pas son côté gain marché. Ou a monde comment nous faire respirer dans zone ça. Donc si l'État pas respecté tout engagement ça, responsabilité a venir tomber sur l'État uniquement parce que c'est l'État qui t'est doué prendre engagement ça pour te faire respecter. Donc pour marché et qui boule yo. Donc responsabilité de l'État, c'est pas prêt faire moun yo prêt, moi yo n'ba qui t'est choqué mais c'est que président de la République là, l'État visite marché hein et puis dit bon va l'attendre pour le dégager pour faire une prêt. Mais vous imaginez des gens qui ont déjà prêté de l'argent dans des microcrédits dans des banques et puis du fait éclater nous à l'origine du fait et puis président de la République là vient dire pour aller prêter moun yo comme encore. Donc c'est comme si vous mettez problème sur problème, vous n'avez pas gagné de l'argent pour la rembourser. Nous même nous compte la question de prêt que vous pouvez bailler machin. Il faut que l'État prenne responsabilité pour dédommager mon parce que c'est responsabilité pâle qui fait que mon dans une situation difficile. Nous pas répondre accompagner mon et demander mon venir porter plainte. Venir porter plainte là, ça veut dire qui ça? Ça veut dire que tôt ou tard une décision de justice qui sortit contre l'État qui dit l'État paye mon ça tant comme. À ce niveau, même l'État a fait un geste à Mounsa, ce n'est pas un geste à compter, mais c'est la décision de justice qui comptait. Ambassadeur pays Japon en Haïti, Yoshaki Hata, signé mercredi, a représentant
4 organisations locales dans le département centre et nord, 4 contrats pour bailler don dans le domaine agriculture et éducation. Cérémonie en déroulé dans le local ambassade là dans Pétionville, une initiative qui entrait dans 4 programmes qui relaient aide sous forme don par petit projet local pour contribuer dans sécurité monde APL. D'après l'ambassade japonaise, don ça est évalué à 416 821 dollars américains. Premier projet a concerné aménagement sans transformation CAN dans Grand Boucan dans Mibale. Deuxième l'an concerné aménagement l'école communautaire Mix La Odyssée dans Inch. Troisième projet a fait pour capable aménager l'école communautaire Bon Berger dans Pignon dans département Nord. Et puis quatrième projet a fait dans tout le monde côté le pral permettre aménagement Institut Mix et Mé Césaire. Ambassadeur Yoshaki Yata, Ténamiko, Nancy Constant à Ville-Nord-Cajuste. Comme vous le savez tous, l'amélioration de l'accès aux services sociaux de base reste l'un des grands défis auxquels doit faire face non seulement le gouvernement, mais aussi les responsables locaux. C'est dans cette perspective que le gouvernement du Japon, que j'ai l'honneur de représenter, se fait de devoir d'appuyer des engagements communautaires comme cela en vue de consolider les droits fondamentaux inhérents à toute personne humaine. À cet effet, j'espère vivement que les travaux de construction se dérouleront parfaitement et s'achèveront dans les délais requis, et ce, pour garantir le plus rapidement possible leur bonne utilisation par les populations bénéficiaires. Je voudrais féliciter les 4 organisations ici présentes aujourd'hui pour leur volonté et engagement manifesté en vue de créer les meilleures conditions sociales au sein de leur communauté. En rappelant que cette collaboration est l'expression de la solidarité et de l'amitié entre les peuples japonais et haïtiens, je forme mes meilleurs voeux pour la réussite de tous ces projets et attends de vous revoir bientôt à l'inauguration. Représentante organisation Jeunes en Action pour Développement Socio-Économique Zone Frontalier, Nami Balé, bat bravo pour le projet Canlan qui pral permettre paysans yo améliorer qualité produit yo. Dans quatre programme ça, agriculteur yo a bénéficié de yon centre transformation Can à yon moulin à Moté. Madame Saint-Jean te profité remercier gouvernement ak pep japonais pour projet ça qui a contribué à améliorer condition la vie agriculteur yo. Déclaration le micro Nancy Constant. Je vous remercie en mon nom personnel et au nom de ma communauté pour ce projet si important pour ma communauté qui a une bac pré-nettoyage qui facilite 80% des impuretés, un séparateur de chauffage à 600 degrés Celsius et un moulin et d'autres matériels plus performants pour une augmentation de jus de canne et une construction moderne. Monsieur l'ambassadeur, cet atelier permettra aux petits exploitants d'avoir d'accès à une unité de transformation qui réduira le temps de marche, le temps d'opération et la charge de travail pour un meilleur rendement. Et pour finir, représentant organisation qui relie solidarité acte qui panne dans l'état yo dans centre Sanek Jordeline Jean-Baptiste remercier l'imam tout gouvernement ak pep pays Japon pour projet aménagement institution Mix et Mé Césaire dans tout monde. Gen 6 salles classe, yon bloc sanitaire ak réservoir de l'eau. Programme ça a permettre communauté à bénéficier sa cap faciliter moun handicapé yo particulièrement fréquenter institution d'après madame Jean-Baptiste. On suit déclaration. Cette cérémonie marque une étape importante pour répondre au problème de l'inadéquation de l'infrastructure scolaire actuelle, à la densité d'élèves au niveau des salles de classe et l'environnement sanitaire de l'école. Donc, la construction attendue de tous permettra à toute personne à mobilité réduite d'accéder aux salles de classe et offrira un lieu de travail de qualité pour le personnel enseignant et les enfants. Son Excellence Monsieur l'Ambassadeur, les conditions et la qualité du travail éducatif réclament un cadre d'accueil attrayant. C'était notre passion, d'avoir une école capable de répondre aux normes du génie scolaire. Dieu soit loué. Avec ce don précieux de l'ambassade, la générosité du peuple japonais et le travail assidu des techniciens de votre institution, notre rêve est concrétisé.
C'est là nous mettons un bout dans le journal. Nous, merci parce que vous êtes ensemble avec nous. Restez branchés Télé Pacifique. Au revoir.